Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Amis Gémeaux. Donc, je suis en train de faire le tirage pour le mois de février. Désolée du retard. Et on y va. J'ai déjà tiré les cartes. J'en ai eu 7 avec le tarot de l'animal totem. Donc, celle-ci représente le passé récent, celle-ci le présent et ces deux-ci représentent le futur. Et on y va pour l'énergie principale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de janvier s'est bien passé. Allez, hop là, on en a une. Voyage au clair de lune qui nous dit croire en la magie. Donc, ne pas lâcher la magie. Alors, on commence avec la carte de l'illusion. Là, on a dans le passé récent, vous êtes peut-être, vous avez été dans l'émotion ou dans l'illusion. Bon, la lune représente aussi la gestation, le féminin. On va retourner les autres. 9 d'épée, l'ermite, l'empereur. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe ce mois de février pour mes amis Gémeaux? Alors là, il y a des situations qui vous empêchent de dormir la nuit. Hein. On nous parle de gestion des finances ici avec la reine de bâton. Alors, la lune et l'ermite nous parlent d'une perte d'emploi possible. Et on vous dit aussi que il va falloir faire des restrictions au niveau finances. Donc s'il y a une perte d'emploi, c'est un peu normal qu'il y a moins d'argent qui va rentrer. On va voir avec la lune et l'empereur qui, eux, nous parlent de trouver un nouvel emploi et peut-être avec un emploi à responsabilité. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, avec la reine de Pentacle, ben vous allez avoir vous allez avoir l'opportunité d'avoir. On va peut-être vous proposer d'avoir un boulot. Et comme ici nous avons l'empereur, c'est à responsabilité. Mais si vous, avec cette histoire-là de prise de tête, hein, vous allez avoir un repli sur vous-même. Hein. Et ça va être voulu, vous allez en avoir besoin. Vous allez chercher à vous isoler. Un peu comme les animaux, quand ils sont blessés, ils s'isolent, ils se lèchent les blessures. Donc, apparemment, là, vous allez avoir des périodes de nostalgie en plus, hein, puisqu'on a la carte de la lune. Oh là là, je suis gémeaux aussi, c'est pas terrible, hein? Alors, 9 de bâton, lui, nous parle de... D'une personne, on pourrait avoir, on a l'empereur, donc on pourrait avoir un adversaire face à nous qui n'est pas très loyal et qui pourrait causer des dégâts. Hein. Donc faites attention à ce niveau-là et faites attention aussi au risque, si cette personne s'attaque à vous sur le plan professionnel. Eh bien, vous risquez d'avoir des pertes. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il va falloir réfléchir aussi. Hein. On est dans la réflexion avec le 9 de bâton. Hein. Donc là, on a en plus le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de risque d'avoir un opposant destructeur, comme je vous ai dit. Hein. Perte importante aussi à prévoir. Hein. Bon, avec la reine. Avec la reine, on vous dit que vous êtes en, vous, enfin, on vous dit que la richesse est devenue un obstacle.
Donc, essayez de vous, comment dire, la prise de tête, c'est que vous êtes habitué peut-être à un train de vie et là, vu qu'il y a une perte d'emploi, ben, ça devient compliqué pour vous et voilà, vous avez du mal à passer à la gestion minime de vos finances. Mais écoutez, l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de trouver un autre boulot qui sera mieux payé puisque vous aurez des responsabilités. Donc un peu de patience, mais ne vous mettez pas une personne déloyale sur le dos parce que là, ça risquerait de vous causer beaucoup plus cher, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, on a avec le 5 d'épée, on vient clôturer. Donc, peut-être, voilà, vous allez perdre votre boulot. Donc, il va falloir faire votre préavis. Et là, durant ce préavis, faites en sorte de ne pas vous mettre des gens sur le dos. Et parce que là, vous risquez de perdre beaucoup plus. Ayez la patience d'attendre cette opportunité de nouvel emploi. Et cette fois, ça sera pour un mieux puisque vous aurez un emploi à responsabilité, donc mieux payé. Mais ne vous mettez pas cette personne à dos et vous clôturez le contrat. Vous avez une signature de clôture de contrat hein, ici et possibilité de signer des documents importants de toute façon dans le futur. Ouh là là, c'est lourd, hein, ce mois de février pour les Gémeaux, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental en espérant que c'est l'apothéose, hein. Voilà pourquoi on vous dit continuez à croire à la magie, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental pour mes amis Gémeaux. Quel est le message, hein, pour le mois de février? Hop là. On en a trois là. Alors, aide extérieure, changement en positif, mais on vous dit qu'il est retardé ce changement. Je vais prendre mes cartes à l'endroit, mais je les ai toutes mélangées au fait. Tant pis, c'est pas grave. Hop là. Alors, aide extérieure au niveau du foyer. Protection au niveau du changement. Et on nous parle de nouveau projet ou nouvelle rencontre qui va être retardée puisqu'on est dans le sentimental. Bon, pour les foyers, pour les personnes qui sont en couple, il y a un changement qui est prévu, mais retardé pour l'instant. On nous parle du foyer, c'est protégé au niveau du foyer et c'est protégé par rapport à un nouveau projet concernant le foyer. Mais vous allez avoir besoin d'une aide extérieure. Bon, il y a peut-être des dégâts dans la maison et que voilà, il va falloir faire appel. Regardez ici, on a la carte de l'isolement qui revient. Donc, vous avez besoin de vous isoler. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à avaler hein, au niveau du travail. Hein. Il faut passer dessus. Hein. Au niveau de votre foyer, c'est protégé. Votre nouveau projet, c'est protégé, mais retardé. On vous dit que vous avez un changement positif qui s'opère. Regardez. Changement positif pour le travail. Vous avez la carte du travail ici. Je suis désolée, mais c'est le travail qui ressort. Ici, il y a peut-être le fait que vous vous repliez sur vous-même. Il va peut-être falloir faire un travail sur vous-même aussi, hein. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche de sa moitié, on nous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre, mais qui sera retardée. Et peut-être faire un travail sur vous-même et vous obliger à sortir, hein. Mais ça, regardez, belle évolution. Mais plus tard, c'est retardé. C'est retardé. On va voir ici la carte de l'enfermement.
Bon, ça ne sera pas pour le mois de février, la nouvelle rencontre pour les célibataires, mais il y a au niveau travail, il y a une belle évolution et il y a un changement positif, hein. Alors, on va voir ici, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Sortez avec vos amis. C'est en sortant avec vos amis que vous allez pouvoir, comme on dit, hein, c'est en mangeant que vient l'appétit. Donc, il va falloir vous obliger à vous bouger, à sortir, à voir vos amis et ne pas rester replié sur vous-même, hein. Et de toute façon, ici, vos amis, l'aide extérieure viendra de vos amis et vous sortiront de chez vous, hein. Donc ici, je vous disais changement et protection, changement positif, protection au niveau du travail. Peut-être que vous allez avoir du boulot au niveau de l'amitié, hein. Ici, nouvelle rencontre ou nouveau projet au niveau du foyer. On nous dit que c'est retardé, mais que ça évolue de toute façon bien. Bon, je vais voir quand même là par rapport au retard, à quoi c'est dû. Bon, j'ai plusieurs cartes, mais moi, il m'en faut qu'une. Voilà, il y a le temps, hein. Bon, ici, ça m'indique le temps d'une gestation. Bon, maintenant pour les foyers, parce que comme j'en ai deux quand même, peut-être que pour les foyers, enfin pour ceux qui sont en couple, leur projet, c'est peut-être d'avoir un enfant, hein, puisqu'ici, on a quand même la gestation. Et le retard. Donc, il va falloir attendre pour voir le bébé. Par contre, pour ceux qui attendent de rencontrer la bonne personne, on vous dit qu'il faudra attendre 6 à 9 mois. Donc, comptez à compter de l'automne prochain pour avoir une rencontre sérieuse, apparemment. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir des aventures, hein. Bon, ben, je suis désolée, mais au niveau sentimental, ça va. Au niveau travail, eh ben, oui, ça pourrait aller si vous restez positif, bien sûr. Mais vous quittez un emploi pour peut-être en trouver un autre à responsabilité. Mais faites attention de ne pas vous mettre une personne sur le dos. Alors, je voudrais voir encore ici par rapport. Ah, oh, voilà, regardez. Ça arrive, hein, l'amour arrive, mais dans 6 à 9 mois. Hein. Désolée. Bon, maintenant, il y a peut-être des célibataires qui sont des mamans, des jeunes femmes qui sont enceintes et qui, voilà, qui vont avoir l'amour inconditionnel. Ben, c'est l'arrivée d'un enfant. Hein. Donc, il sera là. Cette année, il sera là, votre enfant. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a quand même au niveau sentimental, il y a des bonnes nouvelles. Mais avec retard, il faut voir l'emplacement des étoiles, hein. Il faut voir quand les planètes. Bon, mes amis, Gémeaux, j'espère que le mois de mars sera meilleur. Je vous souhaite un beau mois de février. Soyez patients, restez calmes face à une personne qui pourrait être déloyale envers vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager, de liker et de commenter si ça vous parle. Bisous à tous!